Les équipes ont été faites par tirage au sort, donc c'est toujours un Alexandrien et un viewer, à part Nihal, qu'on a dû recaler au nom de viewer, parce que c'était le dernier arrivé et qu'il nous manquait un viewer, mais comme ça il joue quand même. Oui. Il y a Chouquette aussi. Et donc voilà, on va partir sur des journées de 20 minutes. Sinon, à 3h du matin, on est encore là. Les zombies sont en difficulté normale et ne courent pas la nuit. Pour vous faciliter, pour pas non plus qu'il y ait du camping tout le temps. D'accord ? La première journée, les morts ne sont pas éliminatoires. Donc vous pouvez mourir la première journée autant que fois que vous voulez. Vous pouvez toujours respawn. À partir de 22h, toute mort est définitive. À savoir que si vous venez à mourir, comme dans tous les 7 days, vous avez les 10 points de pénalité de wellness qui comptent, de toute façon. Les zombies, ça je l'ai dit. Lorsque vous mourrez, il y a un drop du sac à dos. Donc vous gardez la ceinture. Vous avez en lien, je vais la mettre sur le chat, comme ça le chat pourra suivre également. Vous avez un petit lien avec la map. C'est une map custom que Boom a réalisée. D'ailleurs, je remercie Boom et je remercie Chouquette pour les maps qu'ils nous ont fait. Chouquette sur Minecraft et Boom sur 7 Days. Parce qu'on a eu beaucoup plus de fun sur la map de Chouquette qu'une map qu'on avait téléchargée comme ça. Et ils ont passé pas mal de temps à tout régler. Donc un grand merci à eux pour ça. Donc vous avez le lien. N'hésitez pas à utiliser, parce que vous allez en avoir besoin, parce qu'on va devoir se retrouver dans une ville. Cette ville, je ne la connais pas. Personne ne la connaît, à part Mano qui a décidé. Et Mano va, le jour 3 et le jour 5, diminuer la map. Donc on part sur une map entière pour le moment. On dirait qu'elle surveille l'épreuve du bac, qu'elle explique tout. Tout à fait, tout à fait. Le jour 3 et le jour 5, on va diminuer la map. Ce sera par moitié de map. Donc, ce sera soit tout le sud va être coupé, soit tout l'est, soit tout l'ouest, soit tout le nord, en fonction de la ville qui va décider. Et ensuite, ce sera l'autre moitié. Donc, ça sera annoncé jour 1 pour l'élimination du jour 3, enfin pour la réduction du jour 3. Et il l'annonce jour 4 pour la diminution du jour 5. La map étant plus petite, vous avez un peu moins de distance à parcourir. À partir du jour 6, il annoncera dans quelle ville, et c'est là que ce sera intéressant pour au moins qu'il y ait une personne dans la team qui ait le dessin de la map. Il vous expliquera, ou à la limite s'il y a des questions, tu peux passer dans tous les channels hein, pour voir s'ils ont bien compris dans quelle ville c'est. Okay. Pour savoir dans quelle ville on se retrouve pour passer, enfin les survivants, j'espère qu'il y en aura, se retrouvent pour passer la horde. Est-ce que j'ai autre chose à raconter par rapport à la ville, par rapport à la map? Il y a des loots qui ont été disposés un peu partout dans la map, un peu spéciaux, mais ce sont des armes entières, des armes avec munitions et autres. Donc il y a un lance-roquette par exemple, ceux qui ont vu le premier Hunger Games ont des bons souvenirs du lance-roquette, donc il y en a toujours un. Il y a des snipers et ce genre de choses, donc essayez de les trouver. C'est pas des loots normaux, ce sera pas ceux dans les coffres ou dans les caisses que vous voyez d'habitude. Et donc ça c'est la partie facile de la game. La partie difficile de la game, enfin difficile pour moi, c'est que vous allez jouer, donc vous avez remarqué il y a 6 équipes de 2, donc vous êtes 12. Et moi je suis pas dans les équipes. Je vais jouer toute seule les 5 premières minutes, et puis après, toutes les 5 minutes, je suis TP dans une équipe. Et vous me gardez dans votre équipe pendant 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, je fais partie de votre team. Vous ne devez pas me tuer, vous devez me garder en vie, comme un équipier de votre équipe. 5 minutes après, je suis TP dans une autre équipe. Pourquoi ? Comme ça, je peux dire, bon, je peux passer dans toutes les équipes pour parler avec vous et pour jouer avec tout le monde. Comme ça, ça évite le stream hack. Et comme ça, en fait, je défavorise toutes les équipes et pas seulement la mienne. Voilà, comme ça c'est pratique. Et en même temps, c'est un peu plus difficile pour moi. Oui ? On peut t'utiliser comme bouclier ? Non. Non, j'ai dit que tu me gardes. C'est conseillé. J'ai dit qu'on devait me garder en vie. J'ai dit qu'on me garde en vie comme n'importe quel membre. Pour le timing, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à un certain moment le jour D1, 6. Donc vous allez descendre dans votre channel. Donc chacun va commencer dans son channel. Mano restera avec moi. Pour les 5 premières minutes. Ah, quand même, ça se faisait si désiré. Hein. Je vais changer une fois que vous serez tous dans votre channel. Écoutez-moi. Hey,
Sinon, on va au coin. Non, dis donc. Sinon. Non, mais. Attends. 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 Punition après les cours, hein. Écrire, hein. Voilà tout, hein. Attention. Donc, je vais faire jour 1 jusqu'à 6h. À 6h. Et quand il sera 6h, 7h, vous pourrez monter. Matin ou soir? Ça va assez vite? Non, ça va trop vite en fait. On va faire 6h30. À 7h, vous pouvez monter. Et on va dire à 7h. Ça prend combien de temps? Et à 7h15, on part. Ça vous va? J'ai pas compris là. Il faut faire quoi là? Donc, vous attendez 7h. Vous montez à 7h. Et à 7h15, vous pouvez commencer à jouer. D'accord, vu que vous serez tous dans des channels différents, ce sera plus facile comme ça. D'accord? On a le droit de loot sans se faire tuer? C'est ça que ça veut dire? T'as pas le droit de loot, tu peux pas te faire tuer. Oui, c'est ça. Vous pouvez pas bouger de votre plot blanc de 7h à 7h15. À 7h15, vous partez. Mais celui qui est au-dessus de ton échelle. Sur le plan? Non. Sur le plot blanc, c'est là où il y a l'échelle. D'accord. Ben voilà. Et t'as pas le droit de tirer tant que t'es sur le plot blanc. C'est ça. Vous ne pouvez rien faire jusque 7h15 à part monter. Chercher votre personne et tout ça. Non mais les gens, ça y est, oui. Mais c'est des gamins, mais c'est pas possible. Bah, tu le devines. Enfin. Amérique, arrête pas de croiser autour de moi. Bon allez, tout le monde dans son channel. Mais ça sert à quoi la map si on reste sur le plot? Tout le monde dans son channel. T'es puni. Je rappelle que j'ai un bazooka. Si besoin. Oh là 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 là. Attends, il faut que j'y aille moi. Comment je fais? Attends. Oh là 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 là. Et pas de bol. Un peu de tranquillité, s'il vous plaît. Bon, alors. Tu me dis quand c'est bon? Set ouais, time. C'est bon, je vais faire 6h. 6h50. Tu vas voir, ils vont. Non, ouais, j'ai mis 6h30. Donc. Ah, ok, j'allais le faire. Ok. Le stress, les gens. Le stress! Donc, premier jour, je décide quelle partie j'enlève, c'est ça? C'est ça. Tu l'écris dans le chat. Et cinquième jour aussi. Ok. 5, non, 3. 1 et 3. Mais c'est qui a encore rien compris là-bas? Il y en a qui sortent pas du tout. Bah écoute, tant pis pour eux, hein. Bon, moi je me casse. 7h15, on s'en va. Allez hop, on s'en va. Ah oh, moi je stresse comme une malade. Youps. Non, pas du youps. Si, youps. Non, pas youps. Si, mon sniper. Pourquoi? Il est tombé. Ah, te le fais pas piquer, ce serait dommage. Quoi? Non, c'est bon, je l'ai. Bon alors, ce qu'on va faire, on va essayer de s'éloigner un petit peu. Je sais pas où je peux aller en fait. J'ai pas regardé plus la map que ça, j'ai pas voulu tricher. Je vais mettre dans les mêmes conditions que les gens. Donc ce qu'on va faire... On va s'en aller un peu plus loin. Faire son stuff tranquille, parce que de toute façon, après, on sera TP chez quelqu'un. Donc, moi, le but de mes cinq premières minutes de jeu, c'est me faire un stuff et rester en vie. Je sais pas s'il y a du gens qui me suivent. Il faut que je chronomètre aussi. Ah bah oui. Hop. Bon, j'ai pas l'air d'avoir quelqu'un qui m'a suivi. Au pire, si y a quelqu'un qui meurt la première journée, que tu peux demander de l'aide à quelqu'un. Hein. Enfin... La première Alors... journée, c'est pas éliminatoire. Non, première journée n'est pas éliminatoire. Et je banne ceux qui meurent, du coup, après la première. Après, ouais. C'est juste ban et le pseudo pour bannir. Je pense bien, de toute façon, ils se déconnecteront peut-être demain. Hein. Ok. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on ne doit pas chercher après... On ne doit pas commencer à chercher pour les serpents. On peut rejouer une game tranquille. On va faire une stone axe. Alors, maintenant, on va essayer de looter toutes des petites flèches. Voilà, il y a des petits nœuds partout. Alors, je suis désolée, les gens. Je vais pas trop savoir regarder le chat, au moins maintenant. Tant que je suis toute seule, ça va être un peu dur. Alors, on a une stone axe.
prendre du bois, on va se faire des flèches au moins. Parce qu'on va, on va tomber avec des gens qui vont pas spécialement vouloir me stuff, puisque je vais passer d'une équipe à l'autre. Donc il faut que je me fasse mon, faut que je compte sur moi pour mon stuff. On va essayer d'aller prendre un peu de pierre. Donc pour nous, ça va être difficile. Ça va être sympa, ça va changer, mais ça va être un peu difficile. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de serpent ni de croco dans cette game, c'est bon. Ouais, non, ça va. Le problème, c'est que je suis nulle. Je suis nulle en PVP, en fait. Donc, dès que je vais croiser du monde, je crois que je vais mourir. Donc, moi, il faut que je croise personne. Hop, alors monter une colline comme ça, c'est pas peut-être ce qu'il y a le plus intelligent. On va aller du côté des arbres. Tu peux parler, hein, tant qu'on est, on est que nous deux. Lynx ? Oui ? C'est normal, si on met sur une caisse, la main elle est verrouillée. Tu quoi ? On met sur une caisse de soins, elle est verrouillée, c'est normal. Ah bah alors, c'est que tu peux pas la prendre. D'accord. Mano, tu sais aller voir ? Ouais. Merci Mano. Oh, je tiens. Qui vote pour que le premier tué aux roquettes soit Lynx? Bah en fait, en même temps, c'est un peu bête parce que si c'est moi qui meurs la première, vous avez plus de point de vue en fait. Alors là, c'est une zone de radiation. On va essayer de la contourner. On va essayer tout doucement de reprendre sa stamina. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se faire des clubs? Vous croyez que ça vaut la peine de... De loot des clubs, non. Il faut qu'on fasse des. Faut qu'on avance pour looter des choses de haut niveau. Ça sert à rien de. De masscraft. Tu veux que je mette un timer toutes les 5 minutes, Mano? Ah, il est plus là. Je suis toute seule. Alors, faudrait qu'on se loote une petite arme ou quelque chose. Heureux. Ouais. Les caisses verrouillées, faut les péter pour avoir le loot dedans. Ok. Alors, c'est un lapin. C'est bon. Tu veux que je te mette un timer. Enfin, ouais, non, en même temps, non, j'allais dire, tu veux que je te mette un timer pour savoir quand me TP, mais je serai plus avec toi. Le message. À partir du jour 3, la zone sud sera fermée. Vous devez retrouver au-dessus de la 500 nord. 500 nord. Ok, donc nous on est bon. Bon, ici on peut avancer. Bon, je vais te TP. Ok, premier TP les gens. Bon, y'a rien. On perd son temps. Alors, où est-ce qu'on va être TP? Et chez qui? Ah! Je move. Alors, on est avec Tyran et Pas de bol. Et bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, ça va. Alors, entouré où est-ce... Z, mais ça va. Entouré de zombies. Ah oui, j'entends ça, c'est bien. Le best TP ever, en fait. Et vous êtes comment? Vous avez déjà trouvé looter des trucs ou pas? Bah, on a juste tué un zombie sur le chemin. Ok. On a la limite de la radiation en fait. Ouais, je l'ai contourné aussi. J'ai quelques flèches, j'ai une cinquantaine de flèches. Vous en avez aussi? Vous avez pu ramasser? Encore rien crafté. Encore rien crafté. Par contre, je suis désolé les gens, mais je vais pas. Pour à moi avoir la map, je ne vois pas les notifications. Donc je vous dis un grand merci à toutes les personnes qui vont se sub et qui vont nous rejoindre. On a fait ça? On a fait ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez par où? Votre but c'est quoi? Bah on va, on vient, on verra bien. Ok.
Bon, je suis juste dehors ici de la maison pour ramasser des petites flèches, des petites plumes. Et justement, on se demandait, le Friendly Fire, il est activé ou pas ? Activé, oui. Oui, obligatoirement. Hein. Donc il faudra faire attention. Alors ici, c'est le début de game, donc d'office, les gens n'ont pas trop de stratégie. Ça va être intéressant de faire le tour de toutes les équipes après et de voir les différentes stratégies des autres. De tout le monde, d'ailleurs. Lynn speak tous les loot. Bah écoute, en même temps, ils en auront besoin, je serai là aussi. Hein. Vous avez combien de flèches ? Bah, le stock minimum. Ok. Ceux du départ. Et ils sont à l'intérieur, là. Hein. Il est mort. Ça marche bien dès qu'ils sont enflammés. Ouais, tout à fait. J'avais pas pensé ça comme ça. On va prendre ça juste pour se faire des petits bandages si besoin. Point de vue. Ouais, j'ai quelques os donc si jamais il y a besoin. Casser les lits là. Ça fait du tissu. Il y a le divan en bas, hein. Vous pouvez casser si vous voulez. Ouais, ça sert à rien de casser ça, je crois. On va plutôt rester dehors. Casser un peu de pierre. Cassons un peu de pierre. Tu veux qu'on casse l'armoire là ou... Non, ça prend trop de temps. Ok, ça marche. Puis de toute manière, ça sera de quoi, une pièce de ferme, à la limite. Ça va pas servir à grand chose. Ouais. Hop. Dans un sens, elles les volent pas, si, car si elles lootent leur maison, puis se fait TP dans un autre, ils perdent le loot. Oui, en effet. Mais aussi, ce qui me donne me permet de me développer, et quand je reviendrai dans leur équipe plus tard, ben, je serai un petit peu plus forte aussi. Donc c'est un calcul, hein, parce que si personne, si tout le monde ne m'entraide, enfin si je m'entraide pas et si j'entraide pas les gens, ben ils me donnent rien et j'ai rien, donc tout le monde est perdant. C'est des tactiques, hein, c'est à voir, hein, les équipes, à voir comment ils veulent s'occuper. Et plus le temps va avancer, plus les équipes vont être peu nombreuses et plus il faudra compter sur moi, donc et plus je vais tomber, plus je vais tomber dans leurs équipes. Ok, vous voulez avancer ou pas? Vous allez rester par ici? Bah, vu que ça va être la nuit, je crois qu'on va s'installer dans le chalet, voir ce qu'on va faire, crafter des flèches, tout ça. Okay, ils courent pas la nuit, hein? Ouais. Ok. Ce qu'on va faire, on va prendre un peu de fibre. Alors, le mieux, c'est de récolter des ressources, de quoi crafter. Hop! Au revoir tout le monde! Et... Allez. Ah, est-ce que je suis tombée? Je suis tombée, j'ai Chouquette et Loli. Et bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Salut. Ça va pas? Ça va pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Ah! Non, mais... Ça va pas, mais... Ouais. Ah! Tu as de quoi te faire une splint? Oui, c'est déjà fait. Ok. Alors, quelle est votre stratégie? Ah, là j'ai... Ouh, on loot. Vous lootez. Ok, c'est la nuit. On cherche. C'est la nuit, vous allez... Ça change rien. Vous continuez de looter pendant la nuit? Bah les gens m'y courent pas. Ok, ouais non mais il y en a qui veulent pas, hein, qui lootent pas. Par contre ici vous êtes trop bas, hein, pour le jour 3, vous le savez. Trop bas? Pourquoi? Parce qu'il faut être au-dessus de 500 or pour le jour 3. Vous savez pas ça, hein, on est jour 1. C'est écrit dans le chat, on vous l'a dit. Ah, je l'ai pas vu passer. Regarde, qu'on aille au nord. Oui, c'est ça. Faut bon, bah, je te propose de lire qu'on aille au nord. Bah, je te suis, hein. De toute façon. Vous voyez, je leur pique les loots, mais je suis quand même utile. Tu leur piques les loots? Oui. C'est un débat sur le chat parce que quand j'arrive dans une équipe, si vous êtes dans une maison, je loot. Bah, c'est le jeu.
Mais comme je transfère après dans une autre équipe, ben forcément, je vous vole entre guillemets le loot puisque vous l'avez plus. Oui. Donc tu ne lootes pas, s'il te plaît. Trop tard. Mais voilà, mais c'est utile puisque je vous ai dit où vous deviez aller. Chez nous, honneur, nous les flammes, oui bien sûr. Vous nous avez les flammes. Nous les femmes. Vous avez des choses? Vous avez besoin de quelque chose? Bah écoute, on a que notre stuff de base. Hein. À peu près tout. Ouais. Eh, on peut la tuer. On la loot comme ça. Ah, vous pouvez. Mais là, je suis dans votre équipe en même temps, hein, donc... Ouais, non, ce serait pas drôle. Vous perdez un avantage numérique 5 minutes par... psst, pas avec la torche, t'es fou, toi. T'es fou. Bon, on va où? Pourquoi je parle doucement, comme si on allait m'entendre? On va où? On va où? Faudrait mettre un plugin. Faudrait mettre un plugin comme ça dans 7 Days, tu vois. Qui baisse le son de la voix... Ouais. J'ai des blueprints pour vous, si vous voulez. Ça dépend, t'as quoi? Là, c'est un medikit. Ça peut être utile. Ah, ça peut servir, ça. Ça peut servir. C'est ce que vous êtes. Par contre, vous savez que je suis la partie toutes les 5 minutes, hein, donc si vous vous dépêchez pas, vous l'avez pas. Bah, t'es où? Je suis dans le salon, où vous étiez hier. Oh, on est parti dans la ville au nord. Vers le nord? Ouais. Alors, je viens de quitter la maison. On est parti direct au nord en sortant de la maison. Ok. Peut-être la prison. On tente la prison. Ouais, si vous venez pas me rechercher, je saurais pas vous le donner. Attends, va à la prison, je vais chercher Lynn. On est dans la ville juste au nord. C'est quelque chose qu'il faut que vous calculiez, hein, ça. C'est que toutes les 5 minutes, je suis plus là. Hein. Je suis au niveau de l'eau. Ouais, vas-y, passe après l'eau. Là, il y a un cerf. Tu peux monter en direction de la ville. Je vois pas la ville, en fait. Elle est plus haut. Juste un peu plus haut. Ah oui, je vois la prison. Ici. Ah oui, je suis là. Tiens. Ah, c'est gentil. Et ça, qu'est-ce donc? Ah oui. Je suis plein. Alors ça, on va acheter... Je jette des trucs, donc si éventuellement tu as des trucs qui t'intéressent, regarde, mais il n'y a rien de bien bien grave. Des lunettes, ça, on va le manger. Il va nous falloir à manger. Si Chouquette, si jamais tu viens à mourir, tu pourras rester avec Mano pour l'aider à me switch et tout. Ouais, mais je suis mine sur le serveur. C'est pas sur le serveur pour me changer sur TS. Ah oui, ok. T'es rentré du coup Non, j'en ai profité pour couper un arbre et prendre des fibres. Ok. Vous voulez pas plutôt aller loot là-bas, le camp de bandits? Il y a des soins, peut-être des bandages, des trucs dans le genre qui pourraient être utiles, intéressants. Je connais pas assez le jeu pour, mais ouais, pourquoi pas. Oh, attends, c'est quoi ce magasin là? J'ai pas vu de magasin, désolé. Fais gaffe au piège. C'est le... Ah, tout à l'heure les gens. J'ai pas d'armes. Et bonsoir Glen et Arès. Salut Lynn. Vous allez bien? Ça va. Ah, ça a déjà été looté ici. Looté? Je suis dans le salon. Ouais, c'est moi qui Je suis en face de Glen. Ah, mais il y a des maisons. Ah, vous êtes en ville. Oui. Dans quelle ville est-ce qu'on est? Ok. C'est à peu près dans laquelle on est. C'est un peu des paysans en fait. Ça c'est qui? Ça reste. Oh, ne pas avoir vos flèches en plus, c'est super déstabilisant parce que je sais pas sur lequel, je sais pas qui est qui en fait. Ben, c'est ça qui est. Donc si je recroise un troisième, enfin tu vois une autre personne, c'est est-ce qu'il est avec moi ou pas? Moi dans les teamfights ça va être un peu compliqué. Hein. On va ramasser ça déjà, on va faire de la viande. Elle en avait deux. Bah je suis pas folle hein, je vais en garder un pour moi les gens. Au moins comme ça moi je peux le craft pour tout le monde du coup. Attendez, on va prendre ça. Hop, on va aller faire le toit ici. Alors quelle est votre stratégie? Déjà essayer de trouver des armes, ça sera mal.
Des armes, très bien. Vous êtes trop au nord, hein. Vous savez que vous devez remonter pour le jour 3. Hein. Oui, oui. Lignée 500 nord. Ouais, ok. D'ailleurs, on va se faire un peu de place. Ah oui, il faut qu'on remonte quand même pas mal. On va enlever ça. On remonte quand même pas mal. Oui. Ça, on n'aura pas le temps. Ça, on n'aura pas le temps. Ça, on va peut-être le garder au cas où on aurait froid. Ok, on est bon. Vous voulez faire une forge après ou vous voulez loot les armes comme ça? Je pense que je loot parce que je sais pas, le temps de faire une forge et tout, ça va être un peu tendu, je pense. Ouais, je pense aussi. Non, c'est parce que j'ai des pipes sur moi, donc je pourrais vous les avoir données. Ouais, c'est comme gagner le 20 minutes, ça va passer vite, hein. Vers le nord. Ah, il faut qu'on monte. Ouais, ouais, plutôt aller vers le nord. On a encore un peu tard. Hein. Quand on loot au max, déjà pour essayer de trouver ce qu'on a. Vous avez croisé des zombies déjà? Non. Ouais, j'en ai tué un. Ok, ah bah oui, on a... oui, moi aussi j'en ai croisé. C'est bon. Tu n'as pas donné le blueprint du clit? Si, si, je lui ai donné le blueprint. J'en avais deux, donc j'en ai gardé un et je lui en ai donné un. Ça, on va le prendre. On va prendre un petit peu ici, comme ça on aura pour se faire des splints si on a besoin. Alors, dans les petits bureaux. Petit bonnet, est-ce que quelqu'un veut un bonnet? Non, merci. Ça va. Attendez. Donc ça on va acheter. Ça on va acheter. Bah le fer on va peut-être garder. Ça on va acheter. Qu'est-ce que j'ai vu passer que j'avais acheté? Ah oui, ça. Ah, j'ai pas vu ce que j'ai loot du coup. Un truc intéressant, Ben. Moi j'ai un cooking pot si vous voulez, je peux faire à manger. Ah, vous avez, ouais, c'est plutôt ça qui m'inquiète, faim moi. Je suis comment moi? 26%, 26%, ouais. Ouais, pas bête parce que moi je vous fais un cooking pot. Vous voyez où je suis ou pas? J'ai perdu toutes les conserves dès le début. Vous voyez où je suis? Non, moi je vois Arès, mais. Ouais, on peut pas traquer. Si vous, faut que vous vous dépêchiez à me trouver. Je vais en face du crackbook. Je suis pas loin du crackbook, si vous me voyez. Là, il y a un cochon. Là, il y a quelqu'un derrière vous. Est-ce que vous me voyez, près d'une voiture blanche? On traque mon cochon d'abord. Ah oui, là, oui. Oui, dépêchez-vous, sinon vous aurez pas le temps que je vous dépose des trucs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du bois? Ouais. Ouais. Non, j'arrête vite. Par contre, je prends la toute. Ah mince! Ah! J'allais dire, je prends la première comme ça j'ai le temps de manger, mais non! Hello! Donc, on est avec Niel et avec Ijnep. Oui, bonsoir. Bonsoir. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes bien sur la map? Ouais, vous êtes un petit peu trop bas encore, mais vous êtes bien? Bon, c'est un peu trop bas. On est pile sous les bonnes coordonnées. Ça a 500, hein. 500 oui, nord, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça que je dis, un tout petit peu trop bas, mais sinon, voilà. Alors, quelle est votre stratégie? Stratégie? Survivre. Strat à quoi? Strat à quoi? J'imagine une horde qui en a après Linz et qui la traque malgré le pop vers un autre groupe. Ah ouais, ça pourrait être drôle, en effet, mais... Alors, on a des flèches. Vous avez beaucoup de flèches? 76 52. Okay. Ok, ça va, vous êtes bien. On se fait le Kraken tout. On est bien. C'est le plus intéressant. Vous êtes bien, ça va, vous êtes encore pas mal. J'en ai connu, mais bon, en même temps, vous êtes un petit peu plus avancé. Niel. C'est stressant. Tu m'aides, Niel? Ouais, bah c'est là, ça, il arrête de bouger. Où est-ce que vous êtes? On est dans le Kraken Book. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. Que si on trouve un part, si. Bah
ça sert pas à grand chose le Kraken Book, je pense. Bah, ça te permet d'assembler, désassembler une arme, quoi. Limite l'arrière, je crois. Mais... Et de récupérer les munitions dedans. J'ai le pompe canon scié. Nice. Je vais l'arrière. Ouais, moi je vais aller faire les toilettes. Ah, mais c'est fermé. Lol. Ah bah si tu veux, je loot tes bibliothèques, moi je m'en fous, hein. Ah, je te vois, mais... Oui, là, il est là. C'est mon chien. On se garde devant sa voiture, elle est pas contente. Voilà, c'est ça. En même temps, si tu veux que je loot ton Kraken Book et que je prenne les blueprints à ta place, moi je veux bien, hein. Bah, c'est pas mon Kraken Book. Ah, bah alors je le fais, ça va, ça me va bien. Tu te vois Lynn popper dans une maison avec la horde. En même temps, je crois que j'irai pas jusque là, donc ça va. Par contre, moi je commence à avoir faim. J'ai de la viande. J'ai le schéma du snipe. On a de la viande aussi, mais... Attendez, on va regarder ici dedans s'il n'y a pas des trucs. Dommage, tu serais venu un peu plus tôt, t'aurais eu le droit à une remontée épique d'un gros trou. Une remontée épique d'un gros trou. Bah, c'est ça. On avait trouvé une grotte titanesque et on n'arrivait plus à remonter. Ah. Il a trouvé une doudoune, je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Et si tu veux, Lynn, c'est dans les bibliothèques à gauche là-bas, il y a des schémas de pompelons, il y en a deux. À gauche. On se fait le safe ou pas? Ouais, non, trop long, il n'y a rien dedans. Ici, Lynn, viens. Nial regarde en dessous du bas et Lynn regarde en dessous du dessus. Ah, j'ai regardé celui du dessus, désolé. Ouais, bah t'as regardé celui du bas, donc ça va, c'est bon. Bon, ouais, il va falloir à manger. On essaye de voir s'il y a un shotgun. Ouais, viens, on dégage de ce truc qui nous sert à rien. Y'a le buzz bar où on trouve de la bouffe et de la boisson. On a peut-être pas besoin de bouffe pour le moment, on a surtout besoin d'armes. Y'a un magasin. Mais par contre, je vais faire le. Ah, y'a un truc d'outils, je vais au truc d'outils moi. Ouais, moi je vais sur le toit loot. Bon, moi je vais aller plutôt dans le truc de Shamway Food. Ah, qui a déjà été. Ah non, y'a des zombies dedans. Je croyais qu'il avait déjà été loot. En fait, 5 minutes c'est horrible. Hein. J'ai le temps de rien faire. Rapide, hein. Ah oui, j'ai le temps de rien faire. Là, je viens de me faire un campfire avec un truc pour l'autre équipe. J'ai même pas eu le temps de manger, que j'étais TP. Ah ouais, quand même. C'est bête, hein. Mm. Oui, c'est rapide. De... Place, mais à part ça, ouais. Ah, mais ça y est, tu meurs, oui. Meurs. Et il lui en faut combien? Attends, c'est une Siri, ça, non? Là, qui dit Siri, dit... Poule! Poule! Remèche, poule! Pas beau, pas gentil. Par contre, je sais pas qui est dans le chemin et foot, mais il y a plein de monde. C'est moi qui essaye d'y aller. J'essaie de trouver de la nourriture, mais il y a du monde, donc j'essaie de vous nettoyer le tout. Voilà, c'est fait. Pourquoi t'as pas mangé? Bah non, j'ai pas eu le temps. Ok, ah, j'ai une boîte de jambon, ça fera l'affaire. Et du lead. Ah, TP. Au revoir tout le monde. Déjà nous... Ah mais non, mais non, mais... Emto, me frappe pas. Ah, mais pas me frapper. Allez, on y va. Go. Non mais les gens, non, descendez pas par là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Parce que là-bas, il y a la grosse porte à ouvrir, tandis que si vous passez par l'arrière, il y a que des barres. Donc, que les barres par l'arrière. Attendez, regardez. Changer, hop, oh, bah, j'ai plus. J'ai pas pour faire de pompiers. T'as ah ben. Bah. Des haches en acier. Moi, il manque des pierres pour faire des stone axes. Il manque une pierre. Ah non, mais nous, on a des haches en acier. Oui, d'accord, mais moi, j'en ai pas. Tu me fais rire. Cardo, t'as des... Allez, on a une stone axe level 6, nous, ça va, on est bien. D'accord. Pas mal. Cardo, la flèche dessinée au premier zombie. C'est quoi? T'as des pierres pour Nintz? Oui. Ça va, j'en ai ramassé, t'inquiète. J'en ai pris un petit peu. Faut surveiller s'il n'y a pas quelque chose. Ouais, non, ça on va pas prendre, ça sert pas à grand chose. J'aurais juste ramassé quelques pierres pour me faire une stone axe la prochaine. Et je tape avec vous. C'est vrai qu'elle aurait pu arriver 3 minutes plus tôt. Bah écoute, excuse-moi, hein, déjà 5 minutes c'est déjà pas mal, hein.
Le timer est pas bon. Pourquoi le timer est pas bon? Ils ont cru que c'était une crieuse. Ouais, je pense que ça doit être ça. On va dire ça. On l'entend. La pioche. Oh, ça va, c'est 6 minutes, c'est pas grave. Les gens, Mano est tout seul pour me TP et pour gérer tout, donc c'est un peu normal. Gardot, tu regardes vite fait s'il y a personne qui est. Parce que ça, ça fait du bruit. Ça va, j'y vais. Je vais. Okay, non, pas de soucis. Regarde, hop. Ça, c'est pour le coq. Ça, c'est pour le coq. vous savez que vous... Ah oui, ça va, vous êtes bon, vous, 700. Ouais, ouais, on est au-dessus des 500. Ouais, ça, c'est bon. C'était la première chose qui a été... Bien. Ah, elle est morte. Qui c'est qui est morte? Dis-moi. Ma pioche. Quoi? Ma pioche en fer. Ah. Tiens, arrive. J'ai eu peur. Quoi? Morte? Quoi? Morte, déjà? À côté de moi? La prise? Attends. La pioche? C'est bon, je l'ai. Pas énorme, mais... Ouais, bah ça 2-3 coups, ça fera. Clairement, cette équipe blague pas. Laquelle, Ali premier? Bah, on s'en fout. Ça va, Cardo? Ah bon. T'as pas mal de bois, t'as pas... Oui, 430, j'en veux. Craft quelques stone axe. Mais il manque la pierre, t'as la pierre? Une. On va y arriver. Y avait pas des parpaings dans le coin? Oui, je vais voir. Hop, une pierre là. Là-bas, ici, il y a de la pierre dehors, derrière le magasin. Hop. Vous avez fait le toit du magasin? Non. Non. C'est... Ah non, nous on va tout droit. Ah, un chamois food. Vous êtes bon en nourriture? Moi j'ai 12 conserves. Ah ouais? Et j'ai 8 viandes crues. Il va tirer les zombies, il va pas tirer les zombies. C'est là que je voulais aller. C'est bon, Tchèque? C'est bon? Oh, ça va, on est bon. Non, y'a rien dessus, y'a rien ici. T'as une stone. Quelqu'un a une stone axe pour moi? Là, elle est morte. Ok, ça va, je suis obligé de finir les choses, vous voyez. Ah. Tiens, level 8 commence, par contre, puis, mais. Ça va faire l'affaire parce que Cardo il a du mal. Bah non, moi j'ai rien dit. Hein. Ouais. Ah mince, la mienne est morte aussi. Ah, mais je vais devoir faire. Ça va, j'ai juste pour l'en faire une. T'inquiète. Bah t'inquiète. Le seul gars qui a jeté ses fibres parce qu'il pensait ne plus en avoir besoin, ben bah, c'est Bibi. T'as besoin de fibres? Ça y est. Ah bon, on en a une en fait. Ah, ça va. C'est moi. Cardo ramasse de la pierre en attendant. Non, mais tu veux un thé et un café aussi? J'ai 15 terres rouges, c'est bon. Ouais, mais y'a pas de pierre. Ah si, une pierre. Non, pas une pierre, c'est où? T'as besoin de quoi? Une bonne serviette de zombie pour le déjeuner. Bah il a des Des conserves, donc ça va. C'est d'Ignep. Ok. Ah. Ah oui. Ah ouais, maintenant que tu ramasses la pierre, comme ça on va faire un feu de camp. J'ai des œufs, j'ai de la viande, on va faire des eggs. Ça va augmenter notre stamina. Ah TP. Au revoir tout le monde. Pourquoi? Ah. Et bonsoir. Salut. Illusion. Salut. Et Whittles, comment allez-vous? Ça va. Ah, un chamois foot, il y a enfin des intelligents qui pensent à manger sur ce jeu. Ouais, mais ils donnent pas grand chose. J'ai de la viande, donc si. Mais j'ai deux viandes. Ouais, j'ai 5. Mais j'ai fait un. On peut faire de la viande brûlée éventuellement, si vous voulez. J'ai pas fait de feu de camp encore, on sait pas trop encore où s'établir. Bah, un feu de camp, tu peux en faire un où tu veux, hein. T'es pas obligé de le laisser où tu t'établis. Tant que t'es dans un magasin, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce qu'au moins, comme ça se voit pas le... Pire, faudra le faire dans la banque, parce qu'on comptait sur la banque pour avoir des armes. Ok. Ah bah tiens, regarde ici, il y a... Je te donne la moitié. Je me prends juste une canette. Hop. Il y a une canette de jambon. Tu l'as? Tu l'as eu? Allo, allo? Oui, je l'ai. Ok. Bon, les boissons, on a du thé, donc ça c'est pas vraiment le plus important. Vous pensez vous faire la banque? Ah là-bas, ok. Et vous en êtes où? On a fait un coffre. Vous savez que vous êtes trop loin, trop bas dans le sud, hein?
Pour demain, il faut que vous remontiez à 500 d'or. Hein. Yep. Ok. Peut-être qu'on n'était pas si bas que ça. Il y a un magasin, un restaurant là-bas. Je vais peut-être aller faire le restaurant. Et il y a un Kraken Book là. Ouais, ça a été fait. Il y a deux personnes qui sont passées tout à l'heure. Quelle est votre stratégie du coup ? Faire la banque pour avoir des armes déjà. Ok. Ouais. Et après, du coup, bah, partir d'ici. Hein. Ok, donc rester la nuit ici quoi. Je vais faire le magasin ici, le Bob's Café, et, je vous dis s'il y a des trucs dedans. Tu veux monter ton banan, du coup t'as pas croisé de zombies, donc pas de scavenging, je suis... J'ai pas croisé de zombies. On en a croisé un tout petit peu, mais un. Où est-ce que t'as fait le coffre pour poser les affaires? Pas fait encore. Poser là. L'inventaire. Machin, feu de camp, tiens. Si vous avez besoin, j'ai des canettes pour boire. Enfin, des trucs, des bols à vide qu'on peut remplir. J'ai des bocaux vides, ouais, j'en ai où. Ouais. Je vais vous aider à taper un peu les coffres comme ça. Et de plumes. Je vais relancer quelques haches en pierre. Tu me dis si t'en as besoin. Ouais, ça va, j'en ai. Ah, les paris sont commencés sur. Vous voulez que je vous casse quoi en fait? N'importe lequel? Ouais, n'importe lequel. Je commence celui qui est plus près de la porte. Je l'aurais certainement pas fini avant d'être TP, mais comme ça vous l'avez déjà un peu entamé. Ok. Il manque qu'on ait deux armes. Il va voir qu'il faut nous donner que du papier vu qu'on a pas de scale. Il y a des loots qui ont été rajoutés partout, hein, donc faut aussi regarder si vous voyez pas des coffres dans des endroits qui sont un peu particuliers, habituel. Qui sont pas habituels. Oui. T'as fait un tour de la ville, t'as rien vu d'inhabituel? Non. Après, j'ai peut-être juste pas vu. Ouais. Le plus difficile sera pour Lynx à cause des pubs. Oui, c'est pas évident. Mais c'est sympa comme partie. Au moins, comme ça, on voit tous les points de vue de tout le monde. On voit un peu les différentes stratégies, ce qu'ils font. Donc, tu sais, c'est bien. Au moins, comme ça, on se dit pas, tiens, qu'est-ce que tous les autres ont fait pendant que je faisais ma game? Toujours se faire un crackbook pour bien commencer. Je suis pas certaine que sur ce genre de partie, le crackbook soit le plus intéressant. Hein. Bah, vu qu'il n'y a pas de scavenging, tu vas avoir surtout du papier, quoi. Ouais, et puis, t'as les blueprints et puis quoi. Ouais, ouais. Ah, au revoir tout le monde, à la prochaine. Allez. Et bonsoir Loli et Chouquette. Ouais. Maintenant, je crois que j'ai fait toutes les... j'ai trouvé... Je crois que j'ai fait toutes les équipes, maintenant. Ouais. Tiens. Je te file un peu de bouffe parce que j'en ai trouvé un paquet. Voilà, voilà, il y en a une autre à ta gauche. Lynx. Oui, c'est moi, il paraît. Ah, il y a un deuxième étage là-haut. Glass jar si vous voulez, vide. Merci, mais. Mais non. On en a un paquet. Mais non, ça va. Ouais, moi j'en ai 17. Alors, sur moi. Où est-ce que vous êtes? Ah, vous êtes bon ici, ça va. Bah, on fouille à ce quoi. Oui, mais je veux dire par rapport au niveau de la map. C'est bon, on est bon. Ouais, on est bon, ouais. Ah, ça, on va prendre. Il faudrait trouver une petite arme de poing, ce serait sympathique quand même. Et vous. Ça pourrait aider. Oui. Vous, je sais plus ce que j'allais dire. On fouille. Vous avez fouillé, vous avez regardé aussi les coffres qui étaient un peu particuliers. Enfin, il n'y a rien qui. Bon, on n'en a pas trouvé. Qui sortait de l'ordinaire et tout ça. Non, on n'a rien vu. On a trop rien vu. On essaye l'église, enfin le funérarium. Funérarium, ok.
Non, non, on n'a rien vu de spécial. Oh, ça avait déjà été entamé, ça? C'est moi qui viens de le casser, hein. Non, non, mais ça avait été entamé avant que t'arrives, déjà. Ah, non, non. Par contre, Mano est un peu le dieu dans cette partie. Oui, tout à fait. On voit pas ta barre de sang et soif. En fait, que je me mette n'importe où, je vais vous cacher quelque chose. Et oh, attendez. Ça, on va le garder pour mon prochain TP. Hop. Vous avez pas de cooking pot, hein, vous? Non, par contre, j'ai trouvé un bécher. Ok. Un bécher, un baker. C'est pas ce qui sera plus utile pour cette partie ici non plus, mais... Non, mais bon. Clair. C'est déjà c'est ça. C'est plaisir d'en avoir trouvé, hein. C'est bien, c'est bien. On parie tout sur Mano. Bah oui, bonne idée. Ah, bon, des torches. Oh, il y a des coffres, là. Mais il y a rien dedans. Il y a des books, il y a rien dedans. C'est la partie là-bas hein, qui est intéressante à loot sur cette game, enfin sur ce bâtiment. Axe, stone axe, craft. Ah, il y a des paris sur votre team pour gagner. Des paris? Ouais. Il y en a qui mettent votre team gagnant. Ouais, c'est gentil normal, les gens, merci. C'est... Ouais. Ouais, non. Non, non. Vous avez pas parié beaucoup, hein, j'espère quand même. En fait, Mano, j'avais une boîte d'intérim. Allez, go. Allez-y. Tout a été fait ici. On va vider un peu notre inventaire. Y'a rien d'intéressant. Bon, dès qu'on trouve un pistolet, j'ai des balles. Ah, c'est déjà une bonne chose. De combien? 9, 10? J'ai 19 de 9 mm. Ah, mon chien qui est tombé. Mais Leïla, marche sur le bureau au moins. Tout quoi, tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal ou t'as eu peur? Non, t'as eu peur. Ok, ça va. Oh, bibiche. Oh, bibiche. Eline, c'est l'intérimaire qui fait la téléportée de société en société, c'est ça. Alors, désolé. Vous avez pas fait si vous avez fait les coffins. Donc vous êtes bon. Alors, je vois pas les noms des personnes qui se sub pour le moment, donc je suis désolée si jamais je vous dis pas merci. Hop, parce que j'ai la map du Hunger Games qui cache à moitié. Qu'est-ce qui se passe? Le lit? T'as vu quelqu'un? Ah, c'est la vache. Ah, serre. Serre, ouais. Qu'est-ce que... Attendez, je vais aller dans le... Ah, TP! Au revoir tout le monde! Et heureux... C'est moi. Là, il y a une baraque. On va se la faire. C'est qui? Pourquoi t'es en feu? Parce que j'avais froid. Mince, j'ai bu ma bière pour rien. Mince. Bon, le cerf s'en est allé. Il va mourir, il va mourir. Ouais. Je commence à dépeupler les zombies qui prennent autour de la baraque, là. Il est mort. Ouais. Tiens, tu viens récupérer la viande? Tu as un surin? Vas-y, prends-la si tu veux. Non, on n'a pas de surin. Ça va, j'en ai un. Pas de surin. Par contre, ici, il y a des cadavres de zombies, donc il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un. Je vois personne à l'intérieur. J'espère que ça soit déjà looté. La porte est verrouillée, donc non, personne n'est passé. Le mec s'y vole pour lutter contre le foie, c'est métal. Ouais, tout à fait. Hop. Tiens, je t'ai loot la viande, je la garde pas parce que sinon... Non, non, mais je la garde pas, sinon si moi je suis TP, t'as plus de viande. Hein. Tu peux nous passer le cuir aussi ou pas? Ah oui, attends, tiens. Ce que t'es. C'est où? Là. Merci. Tu veux un os pour te faire un surin?
Moi je veux bien. Dedans. Os. Ah mince, je les ai pas pris. Pardon, désolé. C'est pas grave. Je pourrais passer. Tu veux mon surin, tiens, si tu veux. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, c'est juste si tu pouvais en faire un, mais si tu peux pas, c'est pas grave. Du coup, on va de plein ouest. Mince, moi je suis parti à l'opposé. Lol. Bonsoir Xenoc 13. Bonjour à la toux. Non, on n'est pas sur, sur du. Par contre, vous êtes où? Starvation. On n'est pas sur Starvation, oh. Donc on n'a pas de. Oh nice. Vous êtes comment? Bien. Dans la merde. C'est vrai? Ouais. On a plus que 49 flèches. Ah, bah tiens. Non, t'inquiète. Mais tiens, j'en ai une centaine. Mais garde tes plumes, t'en auras besoin. Mais oui, t'inquiète pas. J'en ai. Vas-y, tiens, il y en a 20 par terre, ils vont dépop. Merci. Il est vidé. Le truc est vidé, on peut passer au-dessus. J'ai vu un autre truc juste à côté. Ouais, là-bas, ouais, au pire. Ouais, c'est un puits, c'est rien. Château d'eau, pas. Y'a rien d'à côté. Y'a un alcool de grain si tu veux. Cool, perso. Oui, je dégage, le coton on s'en fout, le sable on s'en fout, les papiers on s'en fout. Vous avez pas trouvé de coffre un peu particulier ou quoi que ce soit déjà? Non. Rien de rien. Il y en a qu'on a trouvé? Rien. Non. Non, je ne regrette rien. Tiens, ici il y a un zombie qui est mort. Je prends. Tu veux un os? Moi je veux déjà. Tiens, ton anos. On en a. Ce que t'es. Donc, on va aller. En ouest. Tiens. C'est bon? Ouais, merci. Je le vois pourtant tomber, hein. Oui, attends. C'est bon? Je fais de la place. Il est où mon os? Il est où ton os? Bah, je sais plus, moi maintenant, tu m'as dit oui. Oh mince, il est parti où mon os? Là, à mes pieds. 5 minutes bien utilisées, ça, les gens, hein, pour lui donner un os. Bon anniversaire, Linz. Merci. Linz prend un Mars et elle repart toutes les 5 minutes. Bah, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. J'avoue que là, moi, pour le moment, je suis encore nulle part dans ma game. Hein. J'ai un stock de flèches, mais... Linz, elle aide tout le monde, mais... C'est ça. Elle sait pas avec qui elle va finir, quoi. Bah, avec personne, en fait. C'est ça, le truc. Où est-ce qu'on est? Y'a rien. Lampe de poche et un morceau de. Ou sinon, Ouais, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Bon, on pourrait. À l'ouest, là, on va tomber sur la zone irradiée. Ok. Il aurait fallu le shotgun. Ah, mais on en a pas trouvé, on a pas eu le temps de faire le shotgun, mes chiens. Pas trop traîner. Tiens, vas-y, finis-le, parce que moi je vais être TP bientôt. Je te laisse les animaux hide sur moi. En dessous. Donc aspire. J'ai chopé les. Merci. Bot bait. J'ai plus pas pour la graisse. Zone irradiée. Donc il faut aller plus à l'ouest. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger, hein. À partir de maintenant, on va plein ouest, Ijneb. Plein quoi? Plein ouest. Ah! Au revoir tout le monde! Au revoir. Au revoir. Ils sont pas à côté. Et heureux. Ouais, Linz. Ça va? Ils sont où je suis, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? On tente? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On en a deux sur nous. Ils sont où? Hé, hey, dites-moi, moi je suis dehors. Dans la maison. Vous êtes dans la maison? Ou ils sont dans la maison? Ben, moi j'y suis. Ben, moi aussi j'y suis.